Bonjour les grands. Alors, rappelez-vous, nous avons appris un nouvel alpha. C'est la fusée. Quel est le chant de la fusée? La fusée, elle fait... Et son geste... Sur le ventre. Très bien. Il va falloir maintenant apprendre à l'écrire en attaché. Alors, vous voyez, j'ai fait beaucoup de lignes. Je vais vous montrer sur les lignes en haut à quoi servent ces lignes. Donc... Ici, c'est les deux petites lignes. Dans les deux petites lignes, on sait déjà écrire certaines lettres. Quelles lettres on sait écrire? Par exemple, on peut écrire le I. On peut écrire le R. On peut écrire le A. Toutes les petites lettres tiennent dans les petites lignes. La ligne là-haut, pour qui est-elle utile? Quelles lettres on connaît qui montent jusqu'à une grande ligne là-haut? Le L ou le B. Alors je vais faire la limace qui monte jusqu'en haut et qui descend bien tout droit. Donc ça, c'est les grandes lignes pour les grandes lettres. Et la ligne en bas, quelle lettre est-ce qu'on connaît qui utilise une ligne en bas, une lettre qui descend? J. Oui, on a appris le jet d'eau qui descend sur la ligne d'en bas. Donc vous voyez qu'il y a une grande ligne pour les grandes lettres, une ligne en bas pour les lettres qui descendent et les petites lignes du milieu. Aujourd'hui, on va avoir besoin de toutes les lignes, puisque la fusée, c'est une lettre particulière et qu'elle monte tout en haut et elle descend tout en bas. Alors je vais vous montrer. On va commencer sur la petite ligne, comme d'habitude, et on va commencer un peu comme la limace. Donc je monte... Je descends tout droit, mais cette fois je descends tout droit jusqu'en bas, jusqu'à la ligne du bas. Et je lui fais son ventre, ici. Je touche son dos. Bisous, je m'en vais. Je vais vous remontrer. Souvenez-vous qu'elle monte jusqu'en haut et elle descend jusqu'en bas. Regardez, la tête et le ventre sont toutes les deux du même côté. La tête et le ventre sont du même côté. Si je lui fais de l'autre côté, ça va lui faire des fesses. Donc c'est pas possible. Moi je veux que la fusée, on lui fasse la tête et le ventre. Je vous remontre. On commence sur la petite ligne. Je monte comme la limace, un peu sur le côté. Et là je descends tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'en bas. Je tourne de ce côté-là pour lui faire son ventre. Je vais m'accrocher... à peu près là, au milieu. Je touche et je m'en vais. Il tend la main. Je vais vous le faire une fois en très très gros pour que vous voyez. On monte, on descend très très bas. Je reviens faire un bisou et je tends la main. Ça, il va falloir vous entraîner de nombreuses fois sur l'ardoise pour être sûr de bien réussir à faire la tête et le ventre du même côté par là-bas. On ne peut pas revenir en arrière comme le jet d'eau. Si vous revenez en arrière comme le jet d'eau, ça va faire quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout ce que je veux. Là, il y a la tête et les fesses. Moi, je veux la tête et le ventre. Une fois que vous vous serez bien entraîné, vous pourrez essayer de le faire entre les lignes. Donc, je rappelle qu'on commence sur la petite ligne. On monte jusqu'en haut, on descend jusqu'en bas. Et ensuite, on vient faire un bisou et on s'en va. On tend la main. Sur le travail d'aujourd'hui, vous allez devoir écrire plusieurs fois cette lettre F entre les lignes. Regardez bien mon modèle pour savoir jusqu'où vous devez aller et à quel endroit on s'arrête, vers quelle ligne. Puis tout en bas, vous allez écrire deux mots. Ici, il y a le mot feu que vous allez écrire avec trois lettres. Le F, ensuite le E et ensuite le U. Je vais vous montrer comment on les accroche. Entre le F et le E, on ne pourra pas s'arrêter. On va les accrocher ensemble. La main là, de la fusée, va se transformer tout de suite, s'accrocher avec le E. Je vous montre. Je monte comme la limace pour faire la fusée. Je descends jusqu'en bas. Je lui fais son ventre, un bisou. Et tout de suite le E, la boucle. Et tout de suite le U, je ne m'arrête pas. Ou en tout cas, je ne lève pas mon stylo parce que si je le lève, je vais avoir un pic. Trou de ver de terre. À l'envers. Et là, c'est tout bien accroché. Souvenez-vous, entre le E et le U, si vous vous arrêtez, vous allez avoir ça. Le E, le U et ça au milieu. Et ça, je n'en veux pas. Attention.
Dernier mot que vous allez écrire, le mot fil. Fil. Donc la fusée, Madame I et la limace. Je vous montre comment les accrocher ici. Le F, la fusée, je monte jusqu'en haut. Je descends jusqu'en bas. Je viens faire le bisou, je ne m'arrête pas. Et le I. Canne à l'envers, je ne m'arrête pas. Et le L, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et je descends tout droit. Je n'oublie pas le point du I, et là c'est fait. Donc aujourd'hui, la difficulté, déjà, c'est de réussir à accrocher les lettres sans faire des petites choses bizarres entre deux. Deuxième difficulté, regardez bien jusqu'où vos lettres doivent monter entre les petites lignes ou jusqu'à la grande. Il y a un modèle, il est fait pour ça. Prenez le temps de regarder et entraînez-vous à écrire les lettres et même les mots sur l'ardoise. Comme ça, quand vous passerez à l'affiche, vous y arriverez plus facilement. N'oubliez pas que ce travail, c'est un travail qui peut vous permettre d'avoir le roi du monde. Je sais qu'il est difficile, mais si vous prenez vraiment le temps de vous appliquer, vous en êtes capable. Lou et Lou, venez les encourager parce que là, il va falloir qu'ils s'appliquent les grands. Prêts? Allez, au travail les grands.